Dans le coin le plus noir de la grande forêt, j'ai caché mon laboratoire. Une porte de fer barricade l'entrée contre les curieux et les bavards. C'est promis, vous allez visiter avec moi, mais patientez donc un peu. Le choc pourrait vous brouiller l'estomac et vous faire blanchir les cheveux. Grâce à la méthode Frankenstein, dont vous vous souvenez sans doute, je me procure de jolies morts qui ne viennent pas de l'autoroute. Un grand coup sur le crâne et ni vu ni connu, je les traîne jusque chez moi. Aujourd'hui dans ma cave, j'ai de quoi fabriquer autant de monstres que l'on voudra. Je suis l'arrière petit-fils de Frankenstein. J'ai monté une affaire extra. Je reçois des commandes du monde entier et des subventions de l'État. Je suis l'arrière petit-fils de Frankenstein. Je travaille jour et nuit. Et bientôt mes petites productions vont sortir en grande série. Vont sortir en grande série. Dès que j'ai un petit moment pour moi-même, je me fais une douce violence. Je construis un être comme je les aime, tout en beauté et en puissance. Quand l'éclair jaillit, quand la scie debout, je ressens un sentiment curieux. Quand ma créature est là, devant moi, debout, je me sens comme un dieu. Je sais alors que mon petit-fils dira de moi: c'était un génie. Mais voyons, notre petit animal domestique, viens mon mignon, viens mon mignon. N'est-il pas gentil ce petit monstre, poussi. Je suis l'arrière petit-fils de Frankenstein. J'ai monté une affaire extra. Je reçois des commandes du monde entier et des subventions de l'État. Je suis l'arrière petit-fils de Frankenstein. Je travaille jour et nuit. Et bientôt mes petites productions vont sortir en grande série. Vont sortir en grande série. Oh, mon Dieu, ça ne devait pas arriver. Jonas, où est passé ce petit diable? Jonas, ma batterie est déchargée. Jonas, ma batterie est à plat. Jonas, je n'ai pas